tous, bienvenue sur French Rip Channel, alors comme promis et comme je vous la montre depuis à peu près une semaine, je vous ai fait une vidéo de présentation de ma Tama Star 2 Alors pourquoi je vous fais une vidéo de présentation de cette batterie Et eh bien tout simplement parce que c'est une excellente batterie, c'est un fleuron de la gamme de chez Tama à toute période confondue c'est euh, parmi ce qu'ils ont fait de mieux, vraiment, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, euh, pourquoi j'aime cette batterie particulièrement, alors même si moi bon, ma cam c'est Pearl aussi, hein, parce qu'évidemment c'est mon sponsor, donc j'adore les batteries chez Pearl, j'ai une Pearl BLX qui répond un petit peu aux mêmes critères euh, d'amour fou euh, <laughs> que j'ai pu développer quand j'étais petit. Voilà en fait c'est la batterie que j'aimais quand j'étais petit, tout simplement parce que tous les batteurs que je préférais euh, à cette époque là, dans les années 80 et 90. Jouer avec ces trucs-là. Alors moi j'ai commencé la batterie en 1992. Donc euh, ce qui se passait avant 1992 au niveau de la batterie, c'était juste euh, bah, je voyais des trucs, je voyais des marques écrites sur les pots de grosses caisses, mais je comprenais pas exactement ce qui se passait, et puis je savais pas qui fabriquait quoi, je savais pas d'où ça venait, ni de quel pays ça venait, ni qui jouait avec quoi, je m'intéressais pas trop à ça, et puis dès que je me suis mis à la batterie vraiment moi à en jouer. Euh, là j'ai commencé à m'intéresser vraiment au matériel Et il se le trouve que les batteurs que j'aimais vraiment beaucoup à cette époque là C'est-à-dire euh, bah, Lars Ulrich, Dave Lombardo, Charlie Benante euh, ou euh, Tommy Lee euh, ben jouaient sur Pearl ou sur Tama. Donc euh, voilà. Et qu quel, quel modèle ils avaient ben, Évidemment ils avaient le modèle le plus haut de gamme et euh, ils avaient euh, en l'occurrence des MLX, des BLX. Chez Pearl, et ils avaient, ou des GLX aussi, et ils avaient chez Tama et ben des star des star 2, ou des Grandes Stars et des Grandes Stars 2. Et moi, il se trouve que euh, la, la, la vraie batterie vraiment de mon cœur de cette époque-là, c'était la Tama star 2, pour la simple et bonne raison que 1, elle était magnifique, 2, elle sonnait bien, et 3, elle était complètement inaccessible, puisque ça valait un truc genre 30 000 francs, donc euh, pour avoir 22, 10, 22 euh, 12, 13, 16 à l'époque. Donc un truc complètement inaccessible, c'était complètement débile de, 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 de à quel point c'était cher et il y avait il y avait de dispo la Rockstar ou la Swingstar. Alors la Swingstar, le problème c'est qu'elle avait des coquilles courtes, donc elle ne ressemblait pas à la Hardstar 2 qui a des coquilles longues. Et euh, pour avoir des coquilles longues, il fallait acheter une Rockstar. Et pour acheter une Rockstar, il fallait déjà dépenser à peu près euh, 7 ou 8 000 francs, soit à peu près 1 1300 euros. Mais c'était des excellentes batteries, les Tamar Rockstar. Et c'est des excellentes batteries, tout simplement parce qu'elles ont piqué beaucoup de trucs euh, aux gammes supérieures, les Hardstar. Alors, une Hardstar 2. La mienne est en finition Bird's Eye Maple. Je pensais qu'elle était des années 80 et en fait après m'être renseigné, en fait il se trouve qu'elle est des années 90. Elle est même de 1990 pour être exact. Comment je le sais Eh bien je le sais parce qu'en en 89, en 89, enfin 88-89, quand la finition Bird's Eye Maple est sortie, la finition Bird's Eye Maple, c'est ça. C'est beau, hein Ouais je sais c'est très beau Et euh, eh bien c'était simplement sur la Hard Star 2 Limited Et la Hard Star de Limited elle avait des fûts en ce qu'on appelle des square size Les square size c'est la sonore designer que vous avez vu chez Stan euh, Square size ça veut dire que si le fût fait 12 pouces de large Il fait aussi 12 pouces de profondeur Et il se trouve que la mienne fait 12 Enfin ça c'est un tome de 13 Mais c'est un tome de 13 par 12 Donc c'est ce qu'on appelle les fûts power euh, Les fûts power donc 13 par 12 Et donc la finition Birdseye Maple n'est pas sorti tout de suite puisque au départ la Hard star 2 il y avait simplement la blanche et la noire et c'était tout euh, et en 1990 ils ont étendu un petit peu la gamme il y a une rouge une bleue je crois et il y avait la fameuse Birdseye Maple qui était issue de la série Limited qui datait de 1 de, ou 2 ans avant et donc la mienne elle est de 90 puisque c'est un fût de Hard star 2 normal entre guillemets donc c'est pas un square size et tout le reste, c'est pareil, hein, celle que vous allez voir dans la vidéo après. Donc, euh, donc c'est pas des square size, Et donc, c'est une Art Star 2, entre guillemets, normale, avec grosse case 22 par 16, euh, tome 10 par 10, 12 par 11, 13 par 12, et tome bass de 16 par 16. Alors, vous allez me dire, pourquoi Art Star 2 Pourquoi il y a la Art Star 2 Pourquoi il y a la Art Star tout court Et bien, tout simplement parce que la Tama Art Star, au départ, quand elle est sortie, c'était une batterie en boulot. Oui oui oui, c'était une batterie en boulot avec euh, un, un pli de cordia. Alors le cordia c'est un arbre euh, qui pousse beaucoup, alors notamment sur une île qui s'appelle le Vanuatu. Euh, parce que le Vanuatu, euh, là-bas, c'est même un arbre qui pose problème puisqu'il a une prolifération très rapide et euh, ils ont mis en place des programmes pour essayer de limiter un petit peu tout ça. Euh, il se trouve que le Cordia, c'est très utilisé pour les sur les bateaux pour fabriquer des instruments de musique aussi on l'utilise dans la guitare on l'utilise pour faire des guitares des basses ce genre de trucs c'est un bois très apprécié en lutherie euh, un petit peu comme l'acajou c'est un petit peu le même genre de vertu et euh, donc la, la Art Star 1 de 1983 à l'origine puisque la Art Star 1 euh, alors c'est très compliqué les gammes chez Tama parce qu'ils reprennent des vieux noms pour ressortir des trucs alors je vais vous expliquer ça c'est assez marrant euh, la hardstar 1, donc c'était euh, des, des plis de boulot entourée, pris en sandwich, dans deux plis de cordia, ce qui fait qu'elle a cette finition très jolie, rouge. Euh, je vous mets une photo pour que vous voyez à quoi ça, à quoi ça ressemble. Euh, c'était une très belle batterie, et d'ailleurs euh, c'est euh, très prisé sur le marché de l'occasion, un petit peu comme les Artstar Star 2. Euh, si un jour j'en trouve une, je me, je me jette dessus, euh, une Art en cordia, parce que c'est magnifique, et parce que Simon Phillips en avait une aussi, que ça sonnait très bien quand c'était lui qui jouait avec. Et après il est passé sur Art 2, et après il est passé sur Star Classic, et maintenant il est sur Tamastar, Star, mais à chaque fois avec les mêmes petit peu les mêmes, euh, les mêmes genres de fûts même genre de config. Donc moi c'est une Art Star 2. Alors la Art Star 2, euh, c'est euh, des, des fûts de 7 mm d'épaisseur pour les tomes. Donc ça, ça fait 7 mm d'épaisseur. Et c'est en érable canadien. Avec euh, une finition laquée, évidemment. Hein, c'est pas un rhodoïde, c'est une laque. Alors c'est une laque qui est très très épaisse. Je sais pas combien de couches de laque ils appliquent là-dessus. Euh, et ce que je sais aussi, c'est qu'à l'époque c'était super innovant parce que euh, on est quand même fin des années 80, début des années 90. Et c'est déjà des ordinateurs qui gèrent. C'est des machines qui gèrent l'application de la laque pour que ce soit parfaitement homogène, etc., etc. Ils ont mis euh, beaucoup de recherche et développement dans les dans les batteries Art Star. Elles sont très solides parce que celle là Regardez l'état dans lequel elle est. Elle a 30 ans. Avant, elle appartenait à un militaire qui l'a laissé traîner dans une, <laughs> dans une, dans une, dans une pièce qu'il a refoutue en occasion dans un magasin un jour. Et moi, je suis tombé dessus. Je suis devenu fou. Je l'ai acheté direct. J'avais même pas les sous, mais je l'ai pris quand même. Euh, donc, elle est dans un état nickel. C'est parfait. Euh, l'intérieur des fûts. Alors, je vous montre un petit peu la gueule que ça, parce que c'est quand même très beau. Voilà. Donc, c'est euh, pareil. Hein, c'est de l'érable moucheté à l'intérieur. C'est magnifique. Et c'est. C'est est laqué aussi à l'intérieur C'était une mode aussi dans les années 80 euh, Ils aimaient bien laquer les batteries Ils avaient l'impression que ça donnait plus de projection euh, Et puis après ils ont arrêté En se rendant compte que finalement c'était pas forcément utile Enfin bref, voilà. Bon c'est joli C'est très beau Et euh, C'est innovant pour à peu près tout Alors Par exemple ils ont mis Les fameux caoutchouc sous les coquilles Ce qui n'était pas, euh, pas toujours Le cas sur les batteries de ces époques là ils ont mis des caoutchouc partout, euh, tout est isolé en fait. Alors même si euh, le système d'attache qu'on appelait à l'époque euh, Quoi il s'appelait déjà Powerlock c'est peut-être pas, peut pas Powerlock, je sais plus comment c'était son nom. Euh, en tout cas, c'était un système qui était très solide et très innovant aussi, que je vais vous montrer, parce que j'en ai un, un, petit, un petit morceau là juste à côté de moi. Euh, ils ont mis de la recherche-développement partout. Tout est solide, tout est euh, très massif. Alors, ça fait des fûts qui sont quand même assez lourds, évidemment. Hein, c'est pas les batteries de maintenant avec des fûts de 5 mm d'épaisseur. Celui-là il fait 7, la grosse caisse fait 9. Et c'est 9 plis d'érable à chaque fois. Donc, vous en concluez que les plis d'érable de la grosse caisse sont plus épais que les plis d'érable des tomes. Euh, la mienne en l'occurrence elle était livrée avec une caisse claire qui était une Tama Artwood alors c'était la même conception un petit peu que les fûts de Star 2 sauf que les coquilles c'était des euh, coquilles tubulaires comme ça avec euh, des... Euh des, en, des, des bouts carrés. Euh, et si vous voulez cette caisse claire, parce que je m'en suis euh, séparé euh, à regret il n'y a pas longtemps, elle est disponible à style musique à la garde. Euh, c'est une super caisse claire en bois. Franchement, c'est une des meilleures caisses claires en bois que vous pourrez trouver sur le marché. Moi, il se trouve que les caisses claires en bois, c'est pas trop mon trip. Donc, euh, je préfère les caisses claires en métal. Donc, je me suis fait une reprise. Mais si vous voulez trouver une caisse claire 14 par 6,5 Tama Heartwood de, de l'époque, de 1990, elle est excellente. Elle est en, dans un état parfait. Et elle est disponible à style musique. Bon, ça c'est lourd, il y a des cercles moulés dessus, etc. etc. Mais voilà. euh, alors, en ce qui concerne tout ce qui se passe dans l'Art Star 2, donc même les coquilles étaient innovantes parce que les coquilles étaient isolées, il y avait un système à l'intérieur pour permettre des tensions assez fortes, euh, pour être sûr que ça ne se détache pas euh, du fût. Euh, bon, après tout est, tout est nickel, hein. vous regardez la visserie à l'intérieur, c'est parfait, vous regardez ça, c'est parfait. Le petit badge qui est là, là. Est toujours évidemment le petit badge Art Star 2, hein, que, alors, Tama avait avant ce genre de badge. Et, euh, et donc, faisait toutes ces batteries. Donc, Charlie Benante jouait avec ça. Lars Ulrich jouait avec des fûts de Tama Hardstar 2 sur lesquels il avait mis des coquilles de Grand Star anodisées anodisé, anodisé, ouais, en noir. Et euh, c'était pareil pour les accessoires. Donc, c'est une batterie qui est introuvable. Il n'y a que 23 exemplaires en, dans le monde. De la Tama, Tama star 2 Signature Larsulric. Euh, ça valait un prix dingue. Et euh, ce sont des fûts de star 2. Donc lui, il avait euh, 10, 12, 13, 14. Euh, et deux, Un Tombass de 16, un Tombass de 18 ou deux Tombass de 18, je sais plus. Euh, bref, il avait des, des fûts énormes. Avec deux grosses caisses de 24, je crois bien. Et euh, ce sont des fûts de star 2. Donc les mêmes que ça exactement les mêmes que ça, donc 9 plis d'érable, et euh, elle était blanche avec tout l'accastillage noir, mais c'est un acastillage de grande star, 2, voilà et parce que, alors les gammes, les gammes chez Tama, alors parce que bon, star 2, vous allez, vous allez vite comprendre que ça sonne très bien, je vous fais une petite, petite démonstration modeste pour vous montrer un petit peu comment sonne tout ça. Les gammes chez Tama, c'est compliqué, parce que le haut de gamme chez Tama jusqu'en 1982 ou 1983, c'était la Tama Superstar, qui a succédé à la Tama Imperial Star, qui est encore plus ancienne. Sauf que maintenant, vous avez remarqué que la Tama Superstar, ça existe toujours, mais c'est pas du tout la même chose. Parce que la Tama Superstar, au départ, c'est une batterie en boulot, euh, c'est une batterie en boulot qui a un super haut de gamme, c'est une batterie magnifique, c'est génial les Tama Superstar. Et euh, ils ont ressorti ça maintenant, euh, et c'est les seuls modèles de Tama avec des coquilles longues quand elles sont en hyperdrive, et ils ont sorti la Superstar classique je crois, qui est en coquille courte, avec des fûts un petit peu plus ordinaires par rapport à la taille des fûts de maintenant, cest un 10 par 8 et 12 par 9 je crois. Et l'autre fait 10 par 6 et 12 par 7, une connerie comme ça. Et euh, voilà, ça c'est la superstar, mais c'est pas, pas la superstar haut de gamme des années, des années, fin des années 70, début des années 80. Ça c'est la superstar de maintenant. Et il y a pire que ça parce que l'ancien haut de gamme de chez Tama à la fin des années 70 c'était la Tama Imperial Star. Et la Tama Imperial Star de nos jours, c'est une espèce de bouse en boîte cagette euh, sur laquelle euh, on fait nos premières armes quand on n'a pas trop le sou et qu'on sait pas trop si la batterie va être notre truc. Sauf qu'il faut pas, faut pas confondre. Et quand on cherche des modèles vintage sur reverb ou sur. Euh, sur Le Bon Coin, sur Zikinf, sur tout ce genre de site, et que vous voulez acheter des Tamas Superstar des années 80 ou des Tamas Imperial Stars des années 70, il faut bien préciser l'année de recherche parce que si vous ne rentrez pas à l'année, bah vous allez tomber sur tous ces modèles un peu, un, un peu cheapos. Je parle surtout pour l'Imperial Star parce que les Tamas Superstar, c'est pas mal. C'est quand même 100% érable avec cercle moulé, c'est quand même bien. Mais les Tama euh, Imperial Star d'aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. C'est en dessous largement de la Swing Star des années 80-90. Donc euh, on est sur des, vraiment des batteries bas de gamme qui ne bah, qui rendent pas grand-chose. Avec un acastillage qui lui est pas trop mal parce que c'est Tama. Et Tama est quand même super réputé pour euh, tous les accessoires. D'ailleurs, je vais vous montrer euh, les accessoires. Donc ça, c'est le fût. Hein, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien compris. La finition Burns Eye Je ne l'ai même pas nettoyé, ça brille encore, c'est quand même beau. Et euh, alors pour vous montrer un petit peu la gueule que ça avait à la castillage, voilà ça c'est un attach tome de l'époque. Euh, J'aime autant vous dire que là-dessus le fût ne bouge pas, mais vraiment ne bouge pas. Parce que donc vous avez un papillon là, qui est un papillon énorme, hein, parce que j'ai quand même des grandes mains et vous voyez que le papillon est énorme, donc là vous avez le L, la tige en L qui rentre ici. Vous orientez un peu comme vous voulez. Et là dedans il y a ces fameux rotules en nylon là. Et euh, Alors euh, voilà, il suffit de faire ça, et là... Bon évidemment si j'ai serré comme un âne, donc voilà, donc il y avait ce truc là, et là ça, ça bouge. Ça c'est juste un morceau de la tâche normalement il est plus gros que ça, hein. j ai, j ai, le gros il est monté sur la batterie donc j'ai pas démonté juste pour montrer ça. Et là hop Option serrage j'ai terminé. C'est serré. Donc c'était des modèles qui étaient super haut de gamme, qui étaient très pratiques, qui étaient vraiment pensés pour les batteurs pro. Et euh, c'est pour ça que énormément de batteurs de rock et de métal de l'époque s'en servaient. Mais il n'y a pas que des batteurs de rock et de métal, puisque même Billy Cobham, par exemple, se servait de, de, de Tamar Star 2. Euh, voilà. Alors ne pas confondre avec... La Grande Star, la Grande Star qui n'est pas en érable mais en boulot, et la Grande Star, pour la reconnaître, c'est assez facile puisque euh, elle a eu une très courte période coquille longue, et après elle est passée tout de suite en coquille courte, les coquilles courtes, les fameuses que l'Arsulric utilise. Et si vous voulez voir des tamas Grande Star, vous regardez les batteries utilisées en tournée par Dave Grohl notamment. 24, 15, 18. Les tomes de Dave Grohl, donc lui il utilisait la grande star en boulot. Euh, pour les caisses claires, il changeait un petit peu, mais euh, il, il a utilisé plusieurs trucs. Il a même utilisé pendant longtemps une Tama Superstar, donc des modèles d'avant, les hauts de gamme d'avant, comme, euh, comme Caisse Claire. Et euh, voilà, ça c'est la Tama Grand Star, à hein, pas confondre avec la Tama Art Star. La Grande Star était un peu moins euh, répandue parce que euh, le bois roi dans, le, dans la musique, c'est... Enfin euh, dans, dans la batterie c'est l'érable, donc euh, la plupart des batteurs euh, professionnels célèbres. Qui était signé chez Tama préférait jouer avec des batteries en érable et donc avec des Hard Star 2. Mais la Grand Star est une super batterie aussi. On en trouve aussi sur le marché de l'occasion, c'est un petit peu moins cher que la Hard Star et la Hard Star 2. Et paradoxalement, il y en a un peu moins, donc c'est un peu plus rare. Euh, sachant que la Hard Star 2, c'est déjà rare d'en trouver d'occasion, parce qu'en général les gens ne les revendent pas. Donc la, la Grand Star 2, et comme il y en a eu moins de vendus, eh ben, il y en a... Il y en a... Il y en a encore moins sur le marché de l'occasion, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais de temps en temps, on en voit passer et c'est un petit peu moins cher que les Star 2. Donc si vous trouvez ce genre de batterie, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez le budget pour ça, que vous aimez le vintage, et que vous n'êtes pas forcément euh, dans le snobisme de la batterie vintage américaine, mais que vous aimez bien les japonaises, et ben franchement, les Star 2, les Grand Star 2, les Grand Star tout court, les Artstar, les Artstar Cordia, euh, toutes ces batteries-là sont des batteries qui sont excellentes, et j'irai même jusqu'à la Rockstar, la Rockstar DX, la Rockstar Pro, surtout la Rockstar Pro, c'est vraiment des super batteries, euh, et même la star ES. Alors, la Hardstar ES, c'était un modèle qui était entre la Hardstar et la Rockstar pour euh, avoir un petit peu un écart. Parce que la Rockstar à 8000 francs et la Hardstar à 25 ou 30 000, ils ont voulu mettre une batterie à 10-12 000, 000 au milieu. Donc, c'était euh, 10 000 balles, c'était la Hardstar ES. Elle avait plein de, de, de choses pour elle. Elle était en peuplier, c'était un bon choix parce que c'était un bois qui n'était pas trop cher mais qui sonnait bien. Par contre, elle était pas laquée, elle était à finition rhodoïde. Euh il n'y avait que 8 tirants sur la grosse caisse euh, et puis il y avait des, ces, ces horribles cercles en ABS, là, donc les cercles noirs qui a eu pendant un moment, qui y a toujours sur les Imperial Star maintenant, c'est très moche c'est en plastique, c'est vraiment pas beau donc la Star ES, elle avait ça on l'appelle aussi la star Esprit et euh, donc 8 tirants sur la grosse caisse, par contre elle était livrée de base avec une caisse claire en cuivre 14 par 6,5, il n'y avait que 8 tirants aussi, mais cette caisse claire en pas en cuivre, en, en laiton je crois, ouais, une caisse claire en laiton, sonnait extrêmement Extrêmement bien. Et donc ça si vous en trouvez même à l'unité, les caisses claires de Tamart Star Esprit à l'unité en laiton là, couleur, euh, bah, couleur dorée quoi que vous connaissez, et ben bah ça c'est une super caisse claire et ça se vend pour pas trop cher, malheureusement on n'en trouve pas beaucoup puisque c'est très bien, donc les gens ne les revendent pas, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la Hardstar 2 Bah écoutez, euh, rien. Que si vous en trouvez sur le marché de l'occasion, jetez-vous dessus. Surtout que les finitions sont très belles. C'est toujours des finitions laquées, c'est sublime. Euh, ce sont des batteries sublimes qui sont indestructibles. La mienne a plus de 30 ans et elle est dans un état euh, pff, nickel. Alors que bon. Euh Évidemment, je ne la prends pas en tournée, euh, c'est une batterie qui reste chez moi, mais euh, ça m'arrive de faire des concerts avec. Et très franchement, je suis toujours euh, agréablement surpris par le son qu'elle délivre. On a enregistré les pré-prods d'Eon avec. Donc, euh, c'est, euh, on fera le vrai album avec la Pearl euh, Session Studio Select évidemment, euh, ne serait-ce que pour les photos et puis aussi parce que c'est une batterie qui est très facile à enregistrer, qui sonne très bien et que j'ai exactement les tailles de fût dont j'ai besoin pour ce groupe. Mais la RSTAR 2, elle est là, elle est montée. Je l'avais montée pour faire la vidéo. On en a profité pour faire les prises batterie euh, avec TRIF au studio du Pénitent, donc chez moi, euh, pour les pré-productions des hun. Je ne sais pas si vous écouterez ça un jour, mais je pense que oui, on essaiera de les diffuser peut-être euh, d'une manière ou d'une autre. Une fois que tout sera sorti, on mettra, euh, je vous mettrai des démos euh, en, en ligne pour que vous puissiez comparer, regarder un petit peu, écouter le son qu'on peut faire vite fait. On a fait les prises batterie, on a une demi-heure de musique, on a enregistré 150 minutes, donc c'est quand même assez vite. Et, euh, et puis voilà, et écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de... Euh, L'écouter cette batterie, on a fait, un, on a mis un petit bout, j'en vous en ai mis un petit bout au début, je vais vous en mettre un petit bout à la fin, euh, bah, la suite de ce que vous avez entendu au début. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Alors jeudi, qu'est-ce qui va se passer jeudi sur la chaîne Eh ben jeudi, on va commencer à attaquer la rénovation de la euh, Yamaha Stage Custom Absolute. Et ça, vous vous allez euh, pas Absolute Advantage. Et ça, vous allez voir que c'est une super batterie aussi en boulot. Excellente batterie de la, du début des années 2000 et je vais vous donner quelques techniques pour euh, la rénover proprement, la nettoyer facilement et euh, avec un budget de allez, 5 balles euh, avec un petit peu de liquide vaisselle et euh, 2-3... Euh deux, trois brosses à la paille de fer, vous allez voir qu'on fait des miracles sur une batterie qui a pratiquement 20 ans et qui est stockée dans un, dans un grenier depuis plus d'une dizaine d'années. Et alors, elle n'a pas trop mangé, mais euh, on va lui faire une seconde jeunesse, on va lui faire une, une belle beauté, comme on dit. Ce sera une belle beauté. Allez, je vous laisse. Merci à tous.